Ici donc, nous sommes dans notre église Push Ministry de Kinshasa. Nous vous apportons les salutations dans le beau et précieux nom de Jésus. Les salutations qui viennent du ministère Push, Push qui est dirigé par le révérend pasteur Chico Apoua. Église qui est essentiellement basée en Afrique du Sud, à Johannesburg, et qui a des extensions un peu partout dans les quatre coins de la terre. Ici donc, nous sommes dans notre église Push Ministry de Kinshasa, où le pasteur Chico Apoua que vous voyez à l'écran. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Biso ndenge tosololaki na bino na mbala elekaki ke tozonga lisusu esili mpe awa te toya lisusu si donc vous voyez le pasteur Chico Apoua devant une foule immense des veuves, des estropiés de guerre, des orphelins, des paralytiques qui sont en train donc d'entonner un cantique de remerciement, un cantique qui reconnaît le ministère du pasteur Chico Apoua. Alors nous avons dit que c'est un ministère de générosité que le pasteur Chico Apoua est donc venu présenter à l'endroit de ce peuple multiple que vous voyez en face de vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, vous constatez avec nous que la liesse est générale, la joie est totale pour ces mamans, pour ces papas, pour ces jeunes gens. Il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont estropiés. Compléter qu'à l'Ilobanza, mais hier, dans le bac, dans la Bible, à l'Obé, les gens ont mon autour de nous. On est à l'Inga de Poané, dans la Inzala. Nous allons répondre à la prière. Aussi, on semble que Jésus le loue à répondre. Donc, nous sommes très bien pour la place à l'Oba. Dieu a une position où les abonnés et les poignes ont salé bon côté. Jésus Christ a dans le Koumou. Alors ici, vous voyez donc le pasteur Chico Apoua qui est en train d'adresser cette foule immense avec cette parole du livre de Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors, c'est sur donc cette puissante parole que le pasteur Chico a donc apporté ce que nous avons appelé ici un acte de générosité à cette foule immense selon la recommandation de parole du Seigneur Jésus.
que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, quand tu as l'Esprit du Seigneur sur toi, tu deviens une bénédiction partout là où tu vas partir. Donc les serviteurs, le protocole et tous les agents qui ont œuvré par rapport à cette mission sont donc en train de se recueillir devant la présence du Seigneur pour demander plus de grâce afin d'aller faire cette œuvre avec la présence du Seigneur et que le peuple soit réellement béni pour cela. Alors vous voyez donc ici le pasteur Chico Apoam qui est en train de donner à chaque veuve, à chaque veuf, à chaque aveugle, aux orphelins et aux estropiés de guerre qui se sont présentés donc, dans les endroits, dans les sites qui avaient été retenus pour distribuer cette nourriture. Ils donnent à chacun un gros sac de riz accompagné d'un sac de maïs, ce qui est donc l'aliment essentiel du peuple de la localité que le pasteur Chico Apoam et son équipe ont visité. Nous avons donc dit que le pasteur Chico Apoam a reçu de Dieu un ministère puissant de délivrance, de prospérité, de guérison et de salut. Et il ne s'est pas arrêté là, il est allé jusqu'à accomplir la parole complète que le Seigneur a donnée à ses serviteurs. Vous vous souvenez que le Seigneur a demandé à ses disciples, le jour où ils étaient devant un peuple complètement affamé, le Seigneur a demandé à ses disciples de leur donner eux-mêmes à manger. C'est donc la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 16. Quand Jésus a carrément dit à Philippe et à toute l'équipe des apôtres que donnez-leur vous-même à manger. Et c'est à cela que le pasteur Chico Apoam a obéi dans cette mission. Vous voyez donc les vieillards, vous voyez donc les vieilles dames, les veuves qui sont en train de recevoir des mains du pasteur Chico Apoam les denrées alimentaires de la contrée. Zan de Tenza Oyo a telemisi mo sali na ye pour na kotele makoya na kati ya kankokolo pour kan cela biso ba maman veve ya boye na mulongo ya bana pour na ye ba kite na koko kolie lo lobi nini nzamba sala na lobi te nzambe oyo azali nzambe na bomoyo oyo andimeli Yesu Masia lokola kolo pe mobix na ye tato yo vraiment nzambe ayeba na kopambola ye na libota na ye pe na eglise na ye mobimba. Bon ana mama. Kende ko benga pe bande ko supe ba ya. Amen. Bote mama. Bote. Makanire zambe ni pona ko ya musala nzamba na. Makanite zambe. Mama ni ona saki na yo. Saki na ngai za nzamba li ndi ko na kende. Na ye ba ni lo ba nzambe kwa mkomusi zaba pa ko pa ka bula na. Okay. Na zali pepe ya mwasi. Okay. Mama na li a ko te ba pepe. Okay. Mama. Ezali sango mimi. Ko na ye ingo zo mona na ye ba ti soki na kulia ni. En tout cas, c'est l'ensemble. C'est la azoué de l'eau. On déjà subi sur les lots. Par monsieur Bazo, Bazan, parce que nous avons 60 ans déjà. Car si nous avons un cas, c'est qu'on a, on a 10 000 euros. Où est-ce qu'il y a 10 000. 10 000 francs. Salaire. Na sans amour. Na sans amour. Parce qu'on a 8 euros. Salaire, on a un consomme. Ça me fait comme ça. Merci maman, bonne année.
Na mono na semula loso na yo makansine za boni. Antuka na pesi merci mingi nzambe alika na kupambola ye perdre ce ça ye na oyo ya sali ba geste lokola ya kusina bisho. Merci papa bonana. Tous ces bien-aimés sont donc en train d'exprimer leur joie immense par rapport à leur que ce peri mingi na tata pasteur chic. Dikambo ya sali na bisho. Ezali ya mabete ya malamu. Nzambe apambola ye. A pousser les micro, pour être topo capo polandaye. Merci Ming. Et vous entendez donc comment ils sont en train d'exprimer le fond de leur cœur par rapport au geste de l'homme de Dieu qui les a touchés. Et vous voyez comment elle souhaite une longue vie à l'homme de Dieu. Merci papa, Nzamba Pambola. Bon. Papa Nangaya. Et vous avez vu ma canisne dans les nids. C'est la zone de la. Donc, Ngaye, et le goût. Nzamba Gaye, par ma canisne à Moussem. Bona mbala yambo na jua kiao. Kasi na ndenge ya zonga na 10 na nitako na bena tuni kumbu ya pastele wana na pesi longunya nzambe abagisi na ye mabofu ekola kwa banda na ye kisasa kasabu na mwana tebu na ye kumona na ye ako ume na nisi ako sala na kumbu ya nzambe. Amen. Et là, vous voyez donc la personne qui est devant vous est aveugle. La personne dit qu'ils sont rejetés, mais qu'il souhaiterait vraiment que ce ministère continue. Cette autre personne également est aveugle et mutilée de guerre. Ok, alors bon, on a un Nzamba Pambola. Les vieillards sont complètement abandonnés à leur sort et il y en a qui n'ont même pas vu un sac de riz depuis plus d'une année. Vous entendez donc ce paralytique qui entonne un cantique de remerciement envers son Dieu et envers l'homme de Dieu. Cette maman est proche donc de 100 ans, il lui reste 2 ans seulement pour faire ses 100 ans. Maman, au kokisi mbula boni.
plan que vous êtes en train de suivre un élément de Push Ministry, l'église qui est dirigée par le révérend pasteur Chico Apoam. Il s'agit donc ici d'un acte de générosité à l'endroit des affligés, à l'endroit des abandonnés, à l'endroit des veuves, à l'endroit des aveugles, des estropiés de guerre, des paralytiques et de tous ceux qui ont des difficultés notoires physiques. Bien aimé, c'est vraiment une bénédiction de partager ce genre d'image avec vous.
Nous avons donc suivi le pasteur Chico partout là où il est allé, faire la joie de ses mamans, de ses papas et de ses bien-aimés qui ont reçu à cœur ouvert. Le pasteur de l'autre côté, ici en Gomingue, nous avons fait sa bien-aimée colonie sur le nègre, nous avons fait la vision de la vie. Tout ça, les qui étaient tous les invités de tous les tambours. Tout ce qui nous dira, c'est la musique. Tout ce pèlerin.